Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus. Et je suis perdu, je sais pas. Oui, les empreintes. Les empreintes de ça. Je sais pas. Oui. Je savais pas. Oh putain, c'est vrai. C'est un fight qui commence. Allez plus vite. Ouais, on va essayer. Donc, pourquoi j'avais donné la pochette? Oui, parce que dans ma théorie, en fait, le poison vient de la pochette à pansement. Enfin, du truc, et pas de la fiole. Ah, je suis déçu. On s'en fout. Donc, la dernière fois, à savoir que là, en une semaine, j'ai complètement rushé l'intrigue du troisième épisode. Mais je m'en souviens. La dernière fois, premier step. Première partie du dernier procès. On a interrogé Monsieur Abocar, on sait exactement ce qui se passait. Il y avait Furio Tigre, on est sûr, il y avait trois personnes, Maggie n'avait pas d'hallucination. Ça c'est bon. Maintenant il faut prouver que cet homme agissait. Enfin, cet homme a tué. Marc Ram, voilà. Je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, on va y aller tranquillement. Et c'est pas si tu pars. Au bout de trois tasses, bah putain. Ouais, il a l'air très très docile en effet. Disparition. Juge a disparu. Lol. Lol. C'est le lol. Mais qu'a fait? Oh putain, ça y est, ça part mal. C'est moi qui vous ai pêché. Ah, il est calme là. Le café. Commençons par les choses simples. Vous êtes au courant d'incidents qui vous intéresse, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'étiez pas au procès de Maggie l'oiseau? D'accord. Non mais le juge est très crédible. C'est moi. Lol, lol, lol. Ça c'est la meilleure économie d'image du monde. C'est l'image sans l'esprit du personnage. Thank you.
Allez voir Violetta. Ah, ça il est revenu. Graou, graou. Youwa, ça va rien dire. Et l'autre et moi tranquille son café. Très bien, nouvelle règle. Mauvaise question. Bon alors déjà, il y a un mensonge. Déjà, messieurs, dames, il y a clairement mensonge, hein, n'est-ce pas? Raté. C'était pas le bon bouton. C'était pas le boss, c'était pas ça. Allez, on attaque. Mais si. On va insister, putain. Je veux pas perdre. Godot, fais pas chier. Ta gueule. C'est important. Ok, notons-le, on le note. Alors ce que vous entendez derrière moi, c'est une personne qui joue à LOL, c'est mon frère, hein, n'est-ce pas? Personnage très calme. Alors, et là, voilà, c'est là qu'on présente ça. Voilà, je me suis trompé que de un témoignage, voilà. Alors par contre, actuellement, on branche le chargeur pour éviter que tout ça fasse de la merde. Et ouais mon gars. Et ouais mon gars. Et ouais mon gars. Et oui, Billy. Qu'est-ce que tu vas faire? Des taux rouges, les moches. Graou, graou, graou. Pas trop mauvais. Ah, je pense que c'est quand même un compliment, mec. Ouais, ah, t'es revenu. Je tiens à dire qu'enregistrer avec un joueur de LOL à côté, c'est super cool.
Voilà, c'est le professionnalisme, n'est-ce pas? Professionnalisme. Pouce bleu pour ce professionnalisme incroyable. Alors, ton deuxième témoignage. Marc Ram, la victime. Je sens que je vais présenter direct. Il n'est pas facile ce soir là, rendez-vous quand on est marrant. Ah lol. Ok. Vas-y. Je sais quoi attaquer de toute façon. Je sais quoi attaquer. Alors par contre, pourquoi mon ordi ne se charge pas? Parce qu'il y avait un fil qui était mal branché. Et oui. Et voilà. Alors, blablabla. Alors attention, professionnalisme sur 20. Hop, je remets un peu de luminosité. Alors, je présente ce paquet d'allumettes. Et ouais. C'est étrange, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vas-y, un boulet, c'est pas moi, c'est un autre personnage. Grau, encore. Ah mais tu mens de ouf Guedin là. Ça fait combien de tasses de café Godo là? Et ouais. Allez. Non, il faut les prouver. Il faut les prouver. Moi je dis que c'est pas lui mais une autre personne. Ok, je sais pas à quoi attaquer. Bonne karma. Je sais pas, ça me pensait à ça. Ok. Réflexion. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Objection! Laisse-moi faire, Godo, putain! Je
suis pas d'accord. Je sais. Mais laissez-moi réfléchir, putain. Allez, on réessaye. Ah, c'est important l'heure. J'ai pas eu d'amende, là. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Bon bah c'est ça. C'est la première alors. Oh, réfléchissons à ce que j'ai. Réfléchissons à ce que j'ai. Il y a un indice là-dedans. Soyons-en certains. Ok, je pense avoir trouvé. Je viens de le lire en la réponse. Je pense avoir trouvé la réponse. Est-ce que je l'ai? J'ai! Objection! J'ai! Yes! C'était évident. Ah, des gouttes de sueur, magnifique animation. Je crois que c'est des gouttes de sueur rouge. Objection. Qu'est-ce qu'il y a Godot? Ouais, mais vu le vieux gear. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vient de dire le mec du Bellissima? Et ouais. Qu'est-ce que tu dis?
ça. C'était ce connard. C'était le gros connard. C'était ce connard. C'était lui. Espèce d'enflure. Ah ah, il va encore jouer. Il va encore jouer, il va encore jouer. Sérieux. Oui, ça se tient pour le moment. Ça va, ça se tient. Ah lol, la poche. Ah d'abord, la victime, le marcram et la serveuse de dos. Et oui. Mais qui était donc? C'est vrai que c'est une question extrêmement difficile. Prends ça. J'aime ça. Ouais, je sais. Essaye un peu. Ah ah. Voilà des révélations. Marchera, mais t'es mort. C'était 20 ou... Ah. Et non, pas maintenant. Et mais quel est-il? Ah, de boire le café. Oh non, pas un autre témoignage, s'il te plaît. Merde, pas encore. Yeah, joie, bonheur, volupté. Yeah, oh, j'en ai marre. Je suis à ça d'avoir, merde. M'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous. Quoi?
putain, son mobile, il y en a un. Non, mais il y en a un, évidemment, s'il te plaît, Phoenix, c'est quoi ton... Non, mais là, oui. Non, mais là, oui. Là, tu viens de causer ta perte. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Moi, c'est le dernier témoignage qui est intéressant. Non. Non. Je m'en fous. Ça, c'est intéressant. Ça, je veux comprendre. Ça, comment ça s'est passé? T'es louche quand même. Bah pourquoi même Godot ici même, bah putain. Ah je dis faute. Oui, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on les rajoute encore. Quoique, je sais pas, attends une seconde. Une seconde, s'il te plaît. Bon, mettons que ce soit ça, allez, vas-y. On le garde. Merde, c'était pas ce que je voulais faire, je voulais modifier. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, doucement. Bon, restons calmes. Restons calmes. Moi, pas attaquer. Non, je crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'était ça en plus. Je le savais. Moi je dis qu'il y a faute. Faute, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a, Golo? Ah mais non, mais facile. Et ouais, et oui. Et oui. C'est un CD. Un virus, oui aussi. Et oui. Un virus de l'informatique. Tu fais chier. Millions. Les millions. Qu'est-ce qu'il y a, Godot? Oui, exactement. On y arrive, Godot. C'est bien, tu suis. Ouais. Hein? N'est-ce pas?
Un tigre, hein. On va pas se mentir. Oui. Bien sûr. Pourquoi? Moi je veux savoir pourquoi mon imitateur est en train de me rendre l'âme. J'arrête de dire. Elle prend ça. C'est facile. Un soudainement. N'est-ce pas? De la dame elle-même. Ça serait élevé à 1 million de jours là. Enfin d'euros. 1 million, et oui. Indécent. Ah mais non, mais on est pas pareil. Et oui. Et oui, n'est-ce pas? Ça y est, tu... Non, moi je veux ton breakdown, s'il te plaît. Je veux que tu pètes un câble et c'est tout ce que je veux. Oui, ça vient en dépendait. Godot ne savait pas. De Godot ne savait pas. Godot, tu ne le savais pas, s'il te plaît. Godot, tu le sais maintenant. Ah, on y arrive. Alors, ce qu'il s'est passé. Mais soudain, un miracle a gagné au-delà. Exactement, et oui. Et donc, j'ai versé un truc dans son café. Ah, Godot, tu fumes. Tu fumes, Godot. Et oui, c'était évident. Et oui. Et oui, mon vieux s'est fait berner. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le chef était de mèche. N'est-ce pas? Oh. Et oui. Tigre, tu veux peut-être dire quelque chose sur ce notre témoignage? Enfin, il n'est pas content. Ou si, ou pas, je sais pas. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, si. Ouais. Vous êtes déguisé en moi. Enfin, il s'est déguisé en moi-même. Bref, il a pris mon apparence, quoi. Mais enfin, c'est extrêmement simple. Regardez ce magnifique badge en carton. Elle prend ça. C'est un badge en carton. Eh ben, on est d'accord. Ouais, on se ressemble pas du tout, putain. Il a une veste rouge. Merde. C'était lui. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Tu l'as pris pour moi, s'il te plaît, il y a un mois. Tu te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Ouais, en fait c'est ta salle. Eh oui, on a le corner road. Breakdown, s'il te plaît, donne-moi ton breakdown, donne-moi ton breakdown. Qu'est-il, Godot? Tu n'as plus de tasse.
Vas-y. Oh, il est mignon. Putain de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Golo? Oh, le duel de regard. Très bien. C'est ton dernier café. Je les ai comptés. Je sais que ça gêne une pénaine. Ouais. Oui. C'est pas vrai. Je te déteste. Mais fous-toi de moi. Tu m'énerves. Alors si j'étais dans le jeu, je dirais bien que non, tout est perdu, mais en fait il y a un moyen. Et c'est là que Twist Detective arrive avec la preuve. Oh là là, une seule preuve. Oh là là. Oh là 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 là. Ah là là là, et là, objection. Un instant. Twist. C'était Detective. Avec une magnifique image. C'est ton torchon pour ton manger, ça. Eh oui, double twist de révélation de fin. Il est passé où? Ah, je l'ai même quand j'ai fini le tribunal. Eh bien, pas du tout. Ah si. Wow, tout le monde le savait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Mais... Mais non, bordel. Non, tu n'es pas raté. Ah, Maggie. Tiens, salut. Bonjour, Maggie. Je vais vous ficher la paix. Ça se dit. Je ne sais pas. Il est parti. C'est la fin. J'ai un flacon maintenant. J'ai un flacon. J'ai un flacon, putain. On y retourne. Allez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah oui, le suspense, c'est insupportable. Ah oui, je dramatise tout. Et oui, il faut... Et oui.
quelle est cette dernière irréfutable pièce de conviction? Est-ce qu'elle a été mise à jour? Moi, je ne vois plus que ça, en fait. Je te dis, vas-y, c'est ça. C'est bon. C'est vert, c'est devant ta gueule. Oui, les empreintes nous appartiennent, monsieur Tigre. Et oui, ça alors. Eh bien, ma conclusion est simple. Et c'est là qu'on va jouer le suspense. Et oui, on va introduire une fausse preuve. Tu vas voir. Parce qu'il contient du seigneur de potassium. Et ouais. Ah, tu viens de te faire avoir. Quel dommage. Comment tu sais que le pot est en... Comment tu sais tout ça sur le poison? C'est tellement con. Tu viens de te vendre. Oh, c'est tellement beau. Le flacon, oui. Non, Kodo, explique-lui. Kodo, explique-lui, s'il te plaît. Non, tu seras gentil. Et oui. Oh, zut alors. Quel dommage, tu vas aller dans la prison. Tu m'expliques comment tu fais? Si, un putain d'imposteur. Mon cul, c'est du poulet que tu contrôles les mignons. Breakdown, s'il te plaît. Oui, le breakdown. Faut dire un diable. C'est ce que j'ai à dire. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah. Il fait tout noir. Aïe. Ah, ça c'est Godot, je crois. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Putain, comment t'as visé? Ah. Très fort. Très très fort, j'avoue. Donc Maggie, hein, nous y revenons, enfin. C'était un portable qui est tombé. Oh, dis-moi, Godo, ça fait une... Mais oui, c'est ta deuxième défaite. Mais dis-moi, t'accumules en ce moment. Effectivement, et vous êtes débile. Et oui, Godo, va falloir que t'arrêtes de défendre des débiles.
Ah, merci. Ah, merci beaucoup. Tu serais pas Benjamin Hunter, par exemple. Non. Godot, tu serais pas Benjamin Hunter, par exemple. Mais par hasard. Hein, allez, pas ta pute. T'es Benjamin Hunter, non, je t'ai donné... Oui, je suis trop fort. Non, mais dis-moi, t'es Benjamin Hunter. Non, mais ça se tient, hein. Non, mais t'es Benjamin Hunter. Tu t'es mis au café, putain. C'est dégueulasse. Fais gaffe. Elle dit merci et tu me payes beaucoup. Enfin. C'était pas moi. C'était pas moi. Ah mon dieu, mais c'est Dick. Mais te barre pas, connard. Reviens ici, connard. Trop tard. Mais oui. Mais oui. Oh, pour ta petite gueule. Juste pour ta gueule. Si ça, et j'ai fait un coup de bluff, s'il te plaît. Je suis pas d'accord. Allez, détective, allez, vas-y. Oui. C'est faux, putain. Vite. Je vais faire un cadeau. Michel donc, je vais lui offrir un panier repas. Parce que... Prends ça. Je t'ai aussi dit ça la première fois que tu n'es pas le premier panier repas. Ça, c'était le meilleur sample de tout le jeu. Pouce bleu pour ce sample. Non, mange. Oh, regardez cette magnifique. Elle pleure, c'est beau. Voilà, j'ai réussi ma vie. Les saucisses sont plus petites par contre. Je suis déçu. Peut-être que ça rétrécit quand ça cuit. L'affaire du faux contre le vrai. Les fausses accusations qui entouraient Maggie ont été tirées au clair. Et le panier repas est fini. Et qui sait si sa vie ne va pas prendre une toute nouvelle tournure. Pour l'interrogation, trois petits points. Fondu au noir. Et fin d'épisode. Je suis trop fort. Et c'est le nouvel épisode. La volte-face initiale. Quel est donc ceci? Trop de suspense. Beaucoup trop de... chose. Oui, on va sauvegarder. On va voir cet artwork maintenant. Le bel artwork que j'ai complètement mérité. C'est Maya dans la costume. D'accord. Non. Du coup, quatrième, peut-être peut-on espérer Phoenix. Je ne sais pas. Et alors, nous avons quoi? Nous avons toujours le tribunal. Le tribunal qui est toujours en haut. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous avons le tribunal, le poison. Nous avons Maggie qui est inconsciente, et en bas à gauche nous avons des cailloux, un mur, je ne sais pas, je ne sais plus, tant pis, c'est grave. Bref, sur ce, merci à vous d'avoir regardé votre feuilleton favori, cette fin d'épisode magique jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, le like évidemment, parce que les likes pour le meilleur sample du monde,
quel bruit d'estomac qui a faim. Si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous invite à regarder le différent contenu que je produis. Et si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, de me suivre sur Twitter @Reus1. Bon jeu et à la prochaine.